Bon matin à toutes et tous. Eh bien, pour cette semaine, j'ai pris l'oracle pour avoir un message de vos défunts. Sachez avant toute chose que vos défunts souhaitent vous transmettre leur message, répondre à vos questions, mais il est impératif que vous compreniez qu'ils ne connaissent pas le futur et qu'ils sont limités dans leurs gestes. Ils ne peuvent donc faire les choses à votre place et sont incapables d'influencer votre vie et celle des autres. Il est aussi très important, lorsque vous considérez que le message ne répond pas à votre question ou que vous ne voulez pas d'une question, eh bien n'interrogez pas le défunt d'une autre façon. Laissez passer du temps et réécoutez la carte que vous avez choisie plus tard. Vous comprendrez peut-être mieux le message. Il est aussi possible, eh bien, que le défunt à qui vous posez la question ne soit pas disponible. S'il n'est pas dans la lumière, il ne peut établir une communication avec vous et est donc dans l'impossibilité de vous répondre. Alors chaque carte est au masculin, c'est pour alléger le texte, n'est-ce pas? Mais le message peut provenir tant d'un homme que d'une femme ou même d'un enfant. Il est aussi très important de ne poser qu'une question à la fois. Soyez clair et précis ou demandez tout simplement quel message tel défunt voudrait que vous receviez présentement. Votre question ne doit pas être axée sur votre vie future. Concentrez-vous en fermant les yeux et quand vous êtes prête, prêt, eh bien posez votre question, soit à voix haute ou dans votre tête, et choisissez eh bien la carte numéro 1, la 2 ou la 3. Exemple comme question, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as retrouvé des membres de la famille? Est-ce que tu es fier de moi? Est-ce que tu vois tous les efforts que je fais dans ma vie? Es-tu heureux? Heureuse? Qu'est-ce que tu aimerais me dire aujourd'hui? Etc. etc. Eh bien voilà, soyez bien à l'aise pour poser votre question. Et encore une fois, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Eh bien voilà, je vous retrouve dans une prochaine capsule. Et puis d'ici là, eh bien, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À très vite. Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le message peut-être d'un de nos défunts pour ce mercredi 7 août 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère, et j'espère que vous avez passé une belle journée hier. Alors, avant de commencer, comme chaque matin, n'est-ce pas, petite philosophie du matin. Admirez le paysage. Comparez le but que l'on souhaite atteindre au pic d'une montagne et sa vie à un sentier escarpé. Pour accéder au sommet, eh bien, on a le choix entre gravir le chemin tête baissée, tendu seulement vers son objectif, sans rien voir de ce qui nous entoure. Ou bien avancer en appréciant le paysage alentour, quitte, pourquoi pas, ralentir parfois ou à bifurquer, sans pour autant renoncer à atteindre la cime. Alors, dans le premier cas, eh bien,
on se refuse des moments de bonheur en pensant que l'on appréciera le paysage lorsqu'on sera en haut. Et dans le second cas, n'est-ce pas, on s'accorde du temps. Oui, on s'accorde du temps pour être heureux en acceptant les plaisirs et le spectacle de l'ascension. Si pour une raison ou pour une autre, le sommet n'est pas atteint, eh bien certains auront tout raté et d'autres auront vu un beau paysage. La pensée zen nous rappelle ainsi que le bonheur n'est pas au bout du chemin, mais que c'est le chemin qui est bonheur. Très belle philosophie pour ce matin, n'est-ce pas ? Alors je vous laisse quelques secondes pour choisir votre carte, la 1, la 2 ou la 3. Soyez bien à l'aise pour poser votre question, n'est-ce pas ? Bien, si vous avez choisi la carte numéro 1, lecture, je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres et sache que lorsque tu plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Eh bien, il y a un défunt qui croit que, grâce à certaines lectures, vous pourriez en apprendre davantage sur ce qui touche son évolution spirituelle, sur ce qui lui arrive dans l'au-delà. Il veut aussi vous suggérer de communiquer avec lui par le biais eh bien, des livres. Peut-être désire-t-il vous en dire plus qu'avec, par exemple, cette carte que vous êtes en train d'écouter. Il veut peut-être vous transmettre des enseignements. Alors, si on vous suggère une lecture plus d'une fois de grâce, voyez-y un signe. Il arrive que les défunts passent par d'autres personnes pour faire comprendre leur message. Et de plus, lorsque vous lisez, eh bien, les enseignements que vous en retirez peuvent aider le défunt à parfaire ses connaissances tant terrestres que spirituelles. Alors, moi, je vous dis bonne lecture. Voilà pour le message numéro 1. Si vous avez choisi la carte numéro 2, eh bien, c'est urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi, immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Eh bien, il y a un être cher qui vous indique qu'il s'en fait beaucoup, beaucoup pour vous. Il vous demande eh bien de vous arrêter un instant afin d'observer votre vie actuelle. Et ce défunt, lorsqu'il vous regarde, eh bien, il voit dans votre aura une très grande fatigue, une perte d'énergie, beaucoup de peine et une diminution de votre rayonnement. Eh bien, il essaye de vous dire par ce message de prendre soin de vous, de choisir ce que vous croyez être bon pour vous et de penser à vous. Vous êtes la
personne la plus importante de votre vie. Et votre défunt vous perçoit comme un être merveilleux. Vous savez, les personnes décédées peuvent avoir accès à certaines de vos pensées. Et si elles s'aperçoivent, eh bien, que vous êtes dur envers vous-même, elles peuvent vouloir réagir, n'est-ce pas? Alors peut-être que vous avez besoin d'un coup de pouce d'une personne décédée. Eh bien, elle est là. Elle vient vous dire qu'elle est là. Oui, elle est là. Et qu'elle va vous aider énergétiquement. Reprenez confiance en vous et observez votre vie actuelle et demandez son aide. Ce défunt viendra à vous, vous aidera. Message numéro 2, n'est-ce pas? Et pour terminer, carte numéro 3, paroles et musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Eh bien, je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Eh bien, cette carte, elle veut attirer votre attention sur une chanson précise. Peut-être celle que vous aimez plus particulièrement ces temps-ci ou celle qui remonte spontanément à l'intérieur de vous au moment même où vous écoutez cette carte. Portez une attention spéciale aux paroles de cette chanson. Car, eh bien, elle révèle les pensées d'un de vos défunts. Faites également l'exercice suivant. Installez-vous calmement devant un appareil qui diffuse de la musique. Baissez le volume et parlez à une personne décédée. Posez-lui une question ou demandez-lui de vous révéler ce qu'elle aimerait vous dire en ce moment précis, si elle le pouvait. Et lorsque votre pensée est claire et précise, eh bien montez le volume et écoutez les paroles de la chanson qui joue. Vous savez, la réponse peut être immédiate à travers les paroles que vous entendez. Elle peut se trouver par exemple dans le titre de cette chanson ou encore eh bien, dans l'essence de l'histoire qu'elle veut véhiculer. Voyez, si maintenant vous êtes dans la voiture, vous allez prendre le volant, vous allez mettre la radio, eh bien, écoutez les paroles de la chanson qui est en train de passer et peut-être que les paroles, eh bien, ça va vous faire un petit déclic. Et vous allez vous dire, ah oui, c'est mon défunt qui communique avec moi. Voilà, ou alors vous êtes dans votre cuisine, n'est-ce pas, et vous écoutez de la musique. Prêtez attention aux paroles, c'est le message en tous les cas d'un de vos défunts. Je termine avec le petit oracle des couleurs, et aujourd'hui c'est vert pré. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée dans l'amour inconditionnel, et puis on se retrouve demain pour un nouveau message de nos défunts. D'ici là, portez-vous bien, moi je vous embrasse et je vous dis à demain.